Paul, vous pouvez nous expliquer ce qui se passe là? Nous réveillons toutes les gens de Boxmeer pour la course de cheval de Medworst. C'est la question que tout le monde se pose à Boxmeer. Mais qui donc, cette année 2013, montera sur le trône si convoité du roi de la saucisse? Une tradition ancestrale perdure dans une petite ville de 12 000 personnes dans le nord-est des Pays-Bas. Depuis qu'une comtesse a été secourue d'un accident de calèche par des habitants de Boxmeer, une de ses fermes donne à la ville des cadeaux en victuailles. 5 mètres de saucisses, une demi-tête de cochon, du pain et 75 litres de bière. Depuis des siècles, mais officiellement depuis 1740, la Medworst a lieu pendant le carnaval d'hiver. C'est une course de chevaux disputée sur la route qui désigne le vainqueur des trophées, le roi de Boxmeer, aux toutes premières heures de la journée. Medworst, as we call it, and it means in fact sausage. Medworst, en fait, ça veut dire saucisse. C'est une très ancienne tradition ici à Boxmeer qui remonte à 500 ou 600 ans. En fait, nous devons remettre les cadeaux, les saucisses et tout le reste avant l'heure de midi. Et comme il faut du temps pour préparer les opérations, tout mettre en place, il faut vraiment commencer très tôt le matin. So that's why we already start very early. Le roi 2012 remet son titre en jeu. Dick Gossens tente même de devenir empereur avec une troisième victoire consécutive. Fait très rare car les conditions sont très restrictives. Les cavaliers doivent être nés dans le village et ne l'avoir jamais quitté. Bonjour, vous êtes tendu, vous êtes fier de votre trophée? Ah oui, bien sûr, je suis fier, ça veut dire beaucoup en Hollande. Et aujourd'hui, je dois la gagner encore. Mais il y a des règles particulières, vous devez être né et élevé ici, non? Oui, né et avoir toujours vécu à Boxmeer. Et célibataire? Oui, toujours célibataire. Malgré toutes les limites, 18 candidats convoitent le trône. Ils ont commencé leur défilé à 7h, sont passés au centre-ville à 7h30 et doivent rejoindre, à pied, à 4 km, le départ de la course. L'épreuve se déroule sur le même tracé entre Boxmeer et Wortumeulen. Mais depuis la première édition, il y a 500 ans, la route a été goudronnée. Les organisateurs déversent donc 800 mètres cubes de sable sur la piste d'un jour. Tous les jockeys et les chevaux ils sont arrivés et maintenant il y a une sélection veto, donc de voir si tout a bien. Si ça passe, ils sont jugés si c'est un pur sang ou demi-sang, parce qu'il y a un handicap de 65 mètres entre une demi-sang et une pure sang. C'est-à-dire que le demi-sang va partir devant. Et le jeu, alors, c'est quoi l'intérêt? Oui, il va partir devant et donc ça a l'intérêt d'avoir un très bon demi-sang qui peut gagner d'une pure sang. Un pur sang qui ressemble plus à un demi-sang, c'est ça? Oui, ça c'est le mieux. Mais je comprends pas les chevaux là, on sait pas qui c'est en fait? Non, ils sont ici, ils sont achetés, ils sont loués on fait une sélection aussi par extérieur. On n'utilise pas les passeports, c'est par extérieur. L'apparence? Oui. Fait à peine croyable, les chevaux courent de façon anonyme et donc personne ne sait même l'identité exacte de cette double tenante du titre. So, this is the absolute Donc voilà la grande championne. Oui, enfin, je pense. Mais qui est-ce? Ah, je ne connais pas son nom, mais elle a gagné les deux dernières années. Ja, het schalt al door de stroten. Het is 5 uur geweest. Je moet het bed nou echt verloten. De blauwe kiel die hangt al klaar op de witte box. Je moet eruit. Je moet eruit. Ja, met beurtjes halen. Au rythme d'un tube spécialement adapté pour l'événement, 15 000 personnes se pressent autour de la piste. Oui, ils sont tous déguisés,
car la Medvurst se dispute le troisième jour du carnaval annuel. Il est 9h30 du matin, il fait moins 2 degrés, et le Hollandais festif a déjà grand soif. We gaan naar Vortum toe. La compétition dure toute la matinée. En effet, les chevaux courent plusieurs fois. Il y a les éliminatoires à 2 à 3 concurrents, puis les semi-finales et enfin le Grand Prix avec 3 finalistes. Mais avant la finale, bien avant les 12 coups de midi, c'est le bal et les fanfares pendant des heures. La piste aux saucisses vient d'être refaite pour le Sacre 2013. Ce sera le choc entre 3 chevaux. Cette demi-sang blanche, inconnue, fait face à la reine noire, inconnue, avec comme troisième larron un jaune à chapeau bleu et moumoute blanche, inconnue. Mais à quelques minutes du départ, c'est le drame sur Boxmeer. Le roi Dick abdique. Il est éliminé de la course par les commissaires, car sa jument a saigné du nez après la demi-finale. Le roi est mort, vive le roi. Dick pleure sa chute pendant que la foule porte au sacre le nouveau seigneur. Lévi Henkel est couronné à seulement 14 ans pour sa toute première tentative. Very proud. It's unbelievable. Ah, je suis très fier, c'est incroyable. Vous êtes fier pour votre père? Oh que oui. Et vous le papa, comment vous vous expliquez ce que vous sentez là, vous qui n'avez jamais réussi à gagner quand vous étiez jeune? Je n'avais jamais pu gagner cette course et lui, il la gagne dès la première fois. Je suis super fier. Aussitôt isolé du grand public, l'adolescent reçoit son bouclier dans la cour de la même ferme qui remet les mêmes trophées depuis 500 ans. 5 mètres de saucisses, du pain, 75 litres de bière et une demi-tête de cochon, congelée par le climat polaire cette année. De mettre vos et blanc mais wit. De mettre vos et blanc mais wit. La fête commence. Le gagnant de la Medvurst va rejoindre la ville, chevauchant son cheval blanc, orné de ses précieux bijoux scintillant de l'éclat si précieux de la viande de porc. C'est un triomphe romain à Boxmeer, en Hollande, en 2013.